l'heure, les minutes se suivent. Un pas dans l'instant s'impose. Ces rivières de pensée me pourchassent. Ai-je comprends aujourd'hui les sens qui m'instruisent? As-tu jamais au regard que cela propose, afin de ne dévoiler les curieuses audaces qui génèrent chez tous un certain amour-propre? À qui et quand cela ne doit nuire? Jusqu'où les liaisons concevables n'opposent? Le langage et le ton qui agacent. Pour qui nous devons-nous de survivre finalement? Quelles sont les réelles raisons des pas que l'on ose? De cette actualité qui dédicace et fait place? Non, 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 non. On monopolise notre temps comme si fleur n'est qu'une élocution de bonheur. Et sans nouvelles, et même sans nouvelles, ne cesse de sauvegarder les raisons peut-être sensuelles, d'une telle idée. Les images de frégates sur les rives du rire, comme si par passion on aurait trop de dire que chaque élément a son importance et qu'il ne faut jouer sur les équivalences. Alors la complémentarité n'est qu'observée. Si par magie ceci est une idée observée, je pense qu'il faut seulement souhaiter à chacun du rêveur le plus changeant propre et même dû aux odeurs qui sont en fait la solution qui incite, aux vivifiantes sensations. Manifestement, plusieurs pas de marche se jouent la lumière et le... Non, il n'est qu'un temps festif, le temps du cœur de pierre. C'est comme si une hémorragie de grâce ne songeait qu'à laisser sa place. Seulement sans obstacle, on ne peut réellement lire les messages. L'union devenant indispensable pour les sages. Le suprême à la clé, qui joue le vrai tournage en question. D'habilité motrice. Habileté motrice.